premier mouvement, le jog, on va simplement jeter la kettlebell vers le haut avec son coude. Deuxième mouvement, c'est ce qu'on appelle le long six, c'est ce qu'on pourrait appeler plus communément un clean and jerk. On se retrouve en position de rack et puis on jump. Et le troisième, c'est le half snatch. On part en mouvement circulaire et on finit en hauteur pour revenir en position de rack. Et éventuellement, il y a un quatrième mouvement qu'on retrouve dans le domaine de l'IKMF, dans la Fédération Internationale, qui s'appelle le snatch. Ou contrairement au half snatch, on revient directement entre les jambes en back swing. Voilà.